Alors on pointe de chacun des participants et on donnera le feu vert à cette levée de pointe. Go! Alors on peut voir qu'il y en a des gens qui sont prêts mal carrés et d'autres qui sont déjà en action. Oh, et ça fesse de Jalèche Ball aux encouragements de la dynastie avec la bonne ville. Et pas à peu près. Alors on voit un petit peu au chat et à la souris le temps de bien s'aligner pour porter un dur coup. Alors quelques pistes sur la piste dans un gros marchand. Alors le 205 de Frédéric Roy qui a fait une solide sur le 14. La dynastie de Bertrand Chevalier de Saint-Péréol-les-Neiges avec une crevaison également à l'arrière. Et pour ce qui est des tractions avant, je crois qu'on n'a aucune crevaison jusqu'à maintenant. Le 14 avec le 205. Alors toujours la sécurité des pilotes avec le casque de sécurité. On a un petit pare-choc qui est dans les jambes sous le 205 de Frédéric Roy avec la athlée. En préparateur, 4 cylindres de l'aviateur. Alors ça bouge toujours, 4 voitures dans le carré et 4 voitures en action. Du 1 de Bertrand Chevalier sur la bonne ville. 017. La pression commence à monter dans le 14 de Gino Lamontagne. Alors on chronomètre. On doit être en action tout le temps. Sinon, après 2 minutes, on présente le drapeau. Et ce sera pour une autre course. Alors le 1, le 0, 17 et le 14, toujours en action, on a voulu prendre en sandwich le Bertrand Chevalier de Saint-Péréol-les-Neiges. C'est la rivalité Rive-Sud, Rive-Nord. Bertrand Chevalier est habitué des courses, surtout dans le domaine du 4x4. Alors le 1 qui poursuit le 17 de Laurie Fleury. Ça fume toujours du côté du 205 de Frédéric Roy. On surveille toujours la porte du conducteur. C'est l'endroit à éviter pour ne pas être disqualifié. Dans le 1 de Bertrand Chevalier. On veut stationner la traiteur qui est le plus. C'est le bien de l'histoire. Oh, ça vient de prendre 5 minutes.
traction avant, avec traction arrière et crevaison. Un autre petit coup de bottine. Et oui, oh! On s'en vient avec une voiture des années 30. Ça sent encore pas mal. On a un drapeau rouge pour la victoire. Le numéro 17. Wow, quelle action avec seulement 4 voitures.